Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 11e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband. Alors, avant de commencer, quelques petites précisions, j'ai fait un sacré fail, mais alors vraiment un très gros fail, j'ai tourné un épisode sans avoir lancé Fraps. Mais alors rien du tout, c'est-à-dire qu'en fait là pour moi c'est le 12e, mais pour vous c'est le 11e. Parce que j'ai pas lancé Fraps sur les dernières 20 minutes de jeu. Et du coup, bah, comme la sauvegarde est automatique, et bah, vous avez perdu des 20 minutes, quoi. Je viens de m'en rendre compte, je viens de le faire, donc c'est encore frais dans ma mémoire. Donc je vais vous faire un rapide topo, et j'en suis désolé, mais l'épisode va pas durer très longtemps, j'en suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas fait exprès. Alors, ce qui s'est passé. Donc on se souvient, à la fin de l'épisode précédent, j'étais à Suno pour faire un tournoi. J'ai fait le tournoi. J'ai failé. Pourtant j'étais plutôt bien parti. J'étais pas tout le temps à cheval avec une lance. C'était plutôt bien. Mais j'ai failé au bout d'un moment. J'ai perdu 150 deniers. Bon, c'était pas énorme. Donc ça allait. J'étais plutôt content. Même si en même temps j'avais un peu failé. Ensuite, j'ai voulu prendre une quête à Suno auprès du maître de guilde. Et évidemment, les maîtres de guilde sont tous interconnectés. Du coup, je me suis fait engueuler en disant hey, tu me dois 1000 deniers. Du coup, j'ai dû payer mes 1000 deniers. Je l'ai bien eu dans l'os. Mais vraiment. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. J'ai payé 1000 deniers. J'ai demandé une quête. C'était une quête d'escorte jusqu'à Dirim. Une escorte de caravane, comme d'habitude. J'ai fait ma quête d'escorte en tuant pas mal de bandits des forêts sur le chemin. Au passage, je suis passé niveau 18. 13. 18. 13, en fait. 13, j'ai augmenté mon ingénierie à 5. Ce qui est énorme. Du coup, ça n'a pas coûté grand-chose. En tout cas beaucoup moins d'augmenter mon fief, et ça va me coûter moins, ça va durer moins longtemps, c'est plutôt cool, mais en même temps j'avais perdu 1000 deniers, donc j'ai regagné un peu de sous-sous en tuant des grosses compagnies, mais vraiment très grosses compagnies de bandits des forêts. Donc j'ai monté et j'ai obtenu mon cinquième chevalier, qui a en fait disparu assez rapidement, puisque je suis allé les rendre les 5 au roi. Je m'attendais à un super reward, mais vraiment un super truc, et ben non. En fait, j'ai eu que de la merde, c'est-à-dire que le roi m'a filé... Enfin, j'ai eu juste la relation envers le roi qui a augmenté de 3 à 9. Enfin, de 6 à 9. Je veux dire, je m'attendais vraiment à du fric, quoi. Je m'attendais à beaucoup de deniers, plein de trucs, parce que ça coûte super cher, et je m'attendais pas à me séparer de mes meilleures unités de cavalerie, quoi. Je veux dire, c'est... Ça m'a fait vraiment, vraiment mal au cœur, on va dire ça. Et en fait, tout ça s'est passé dans l'épisode d'avant, donc en fait, vous avez loupé plus des fails qu'autre chose, donc c'est pas très grave en soi, mais en même temps, c'est un épisode loupé et par une faute imbécile, on va dire. Vraiment un truc très bête. Très très bête. Que dire de plus, si ce n'est que j'en suis désolé, encore une fois. Ne le prenez pas mal, la prochaine fois, je reverrai, parce qu'en même temps, ça fait quoi? Ça doit être le 110e vidéo que je tourne. Une erreur sur 110, ça peut arriver, on va dire, ça fait pas beaucoup d'erreurs, ça fait même moins d'1%, ça devrait aller. Enfin, j'espère que vous allez le prendre bien, je suis un peu désolé. Et normalement, ça devrait plus se reproduire. Voilà, voilà. Donc, je peux pas dire que j'espère que ça vous aura plu, parce qu'en fait, il n'y a rien eu. N'hésitez pas à partager le let's play et non pas cette vidéo, parce que c'est un peu la grosse vidéo fail, là. Partagez ce let's play avec vos amis, à me suivre sur Twitter... vous abonner à ma chaîne, commenter la vidéo pour me dire, pour m'insulter pour ce magnifique fail, hein, vous pouvez très bien y aller, parce que honnêtement, shame on me, honte à moi. Voilà, voilà, et j'espère vous revoir très bientôt, et à la prochaine, salut à tous. Bon, ok, je vais peut-être pas vous laisser sur 4 minutes de vidéo, donc on va faire quelque chose, je vais faire un petit quelque chose pour me faire pardonner à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire maintenant, je vais faire une bataille personnalisée, avec vous, une grosse bataille qui tue à mort, voilà. Donc on va prendre une carte de type défense, j'aime bien défendre. Quel château? Château d'Ulbas, ça va très bien. Donc on va mettre 200 contre 200, une grosse grosse bataille. 200 contre 200, et la composition de l'armée, je vais peut-être pas, vu que je défends, je vais peut-être pas mettre de cavalerie. On va essayer de mettre 50-50, voilà, ça va très bien. Et moi, je vais prendre comme héros Conrad. Ah oui, il est vraiment énorme comme héros. Et en face, on peut mettre ça. Ça va très bien, je pense. Allez, on va essayer avec ça. C'est juste un petit bonus pour me faire pardonner
mes méga, enfin de mon méga échec de cet épisode. Alors comme vous pouvez le voir, au début, ça va assez vite. Les flèches, ça défonce un peu partout. Alors, le problème, c'est que j'ai pas d'arc pour commencer. C'est-à-dire, j'ai bien une massue, mais j'ai surtout un énorme espadon. Alors ça doit ramer un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'unités. Ça rame un petit peu par rapport à d'habitude. Faudrait que je descende, mais pour l'instant ils approchent juste le... Ils approchent juste l'ancien siège pour pouvoir monter. Bon, vous savez quoi? Non, je peux pas tuer mes... Non, je peux pas les tuer. Je les aurais bien tués pour récupérer une arbalète en fait. Ah. Attendez. Est-ce que je peux pas récupérer? Hop, je prends l'arbalète. Surtout que j'ai pas de carreaux. Est-ce que je peux pas prendre des carreaux? Non. Je peux rien prendre. Il y a plein de flèches partout, mais je peux pas les prendre. Ah, c'est horrible. Il y a pas de carreaux, ouais. Bon, ça. Ah, si, il y avait des carreaux. Où sont les carreaux? Carreaux équipés. Mais j'ai dit équipé. Bon, c'est quoi? Vu que ça a l'air d'être impossible. Alors, attendez, on va regarder. Tiens, on peut pas voir où est-ce qu'on en est dans la bataille. Vous allez voir, dès que ça va arriver, là, ça va vraiment être une déferlante. Alors, vraiment pas équiper les carreaux, c'est bizarre. Non, je voulais pas un esramaçon. Non, je voulais l'esramaçon, pardon. Mais voilà, ça y est. Ah, mais j'avais les carreaux sur la balette. Oh, pff, ouais, puis ils sont tombés. Affreux de changer d'équipement dans le jeu. Ah, de toute façon, l'ancien de siège arrive. Ça va pas tarder. J'aurais bien descendu, mais bon, je vais me faire exploser dès que je vais toucher terre. Ça va. Bon, il y a moins en moins d'unités qui tirent. C'est-à-dire que ça va un peu mieux. Alors. Toutes celles qui sont en bleu, enfin, tout ce qui est écrit en bleu, c'est mes unités qui tuent, donc ça va. Par contre, vous allez voir, dès qu'ils vont arriver, ça va être assez impressionnant le nombre de mort qu'il va y avoir. Alors, ils sont presque arrivés. Je pense qu'ils sont à bonne distance. Ils vont commencer à déployer la rampe. Allez. Allez, allez. Vous êtes encore trop loin. Je pense que vous êtes bon là pour déployer cette rampe. Ils ont l'air d'avoir plus de flèches en face. Voilà, ça y est, vous voyez, il commence à déferler. Ça va être dur, ça va être vraiment très dur. Comment ça, j'ai subi 0 points de dégâts, je me suis fait tirer dessus. Ah, ils se font tirer dessus, mais ils s'en foutent, hein. Ils avancent. Voyons. Allez, viens là. Et ça rame trop, il y a trop d'unités. Avec frappe, ça aide pas beaucoup. Boum! Parce que c'est pas moi qui les tue. Il y a trop d'unités, ça me dit n'importe quoi. Ya! Boum! Ah mais ouf! Il y a vraiment trop d'unités. Il y a trop de monde! Y a trop de monde qui se bat à l'écran. Boum. Déjà? Ah non. Allez, viens là. Non mais, te fous pas devant moi toi non plus. Non mais arrêtez de vous foutre devant moi. Y en a un là qui arrive pas à m'embêter, c'est celui-là. S'il pouvait arrêter de se mettre devant moi quand je tape. Boum.
Boum. Mais disons, il y a de plus en plus de monde là. Ouf, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est affreux. Le nombre de corps qu'il doit y avoir au sol. Il en reste un. Non, il en reste pas un, mais il en reste quelques-uns. Allez, venez là. Boum. Ah, ça fait ramer. Il y a tellement de choses affichées à l'écran que ça fait ramer mon PC, qui est pourtant un gros PC. Boum. Ah, laissez-le moi. Ah bon, on a gagné. Oubé, c'est une des premières fois que je gagne à 200 contre 200, hein, franchement. Mais c'était pas très bon. Hein. Waouh. Combien? J'ai mis à mort 21 hommes et on a perdu que 27 troupes. Ça, ça a été du kill. Bon, ben, désolé, c'était un petit bonus fait pour essayer de me faire un peu pardonner de mon épisode fail. Et surtout pas très long, du coup. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à partager les vidéos, à me suivre sur Twitter, etc., etc. Allez, à la prochaine. Salut à tous.